Ce mercredi 10 août dans un si grand soleil, France 2 diffusait 6 épisodes à la suite à partir de 20h45. Si est donc une grande soirée feuilleton qui attend les téléspectateurs, avec de nombreux rebondissements. Jacques sortira-t-il du coma? À l'hôpital, Janet, Tonia 15 ingé, explique à Marc, César Méric, que si l'hémorragie interne de son père est sous contrôle, Jacques, Olivier Page, se trouve toujours plongé dans le coma à cause de son traumatisme crânien, et il leur est impossible pour l'instant de savoir quand, et si, il se réveillera. Quand Marc annonce cela à son fils, Louis, Sylvain Beaucara, s'énerve une nouvelle fois contre son père et sa compagne en les blâmant pour la tentative de suicide de son grand-père. Léonore, Maëva Pasquali, arrive et tente de rassurer Marc, Louis finira par se calmer. La mère de l'ado va ensuite rendre visite à Jacques et, coupable, s'excuse de l'avoir dénoncé à la police et de s'être vengée de Marc en se servant de lui. De son côté, Marc prend la tête de l'entreprise de son père en attendant qu'il aille mieux et apprend que sa situation financière est très mauvaise. Jacques doit beaucoup d'argent, et Marc pourrait être forcé de vendre les terres de son père pour rembourser ses créanciers. Enfin Louis se fait remettre à sa place par Kira, Colline Ramos Pinto, qui souligne qu'il agit comme un gamin et exagère tout. Dans ces moments difficiles, la famille devrait se serrer les coudes et non s'en prendre les uns aux autres. Quand Marc revient voir Louis, le jeune homme cesse de calmer et s'excuse auprès de son père. Il ajoute cependant qu'il en veut toujours à Myriam, Pauline Paolini. Alain repousse Claudine chez Elisabeth, Christelle Labaude, et Alain, Frédéric Van den Brich, l'ambiance est au règlement de compte. Le docteur se rend bien compte que sa compagne est tracassée, et Elisabeth lui explique donc que ses désaccords avec Myriam, qu'elle considère comme sa fille, lui font de la peine. Alain essaie tant bien que mal de faire comprendre à Elisabeth que Myriam vit une période compliquée, mais elle reste fâchée. Par ailleurs, l'affaire autour de l'accide de Blamont avance et un accord est trouvé entre les avocats pour que leurs clients retirent leur plainte. Seulement Blamont veut qu'Alphand prenne en charge la moitié de ses frais de justice, ce qui est impensable pour me Claudine Becker, Catherine Wilkening. Cette dernière refuse donc mais Blamont contre-attaque avec un soi-disant témoin de l'accide qui leur permet de bluffer. Quand Claudine annonce à Alain que l'affaire n'est pas finie, ce dernier montre son ras-le-bol, d'autant plus qu'il doit désormais fournir des preuves d'intégrité. Lorsqu'il les amène à son avocate en fin de journée, Claudine décide de se lancer et d'avouer au docteur qu'elle le trouve très attirant. Téméraire, elle se glisse sur les genoux du docteur Alphand avant de se pencher vers lui pour l'embrasser. Après un instant de flottement, Alain la repousse et s'en va pour aller retrouver Elisabeth au restaurant, qui voit bien qu'il a la tête ailleurs. Le lendemain, Alain décide de tout raconter à Elisabeth et lui promet qu'il ne cesse rien passer et qu'il est prêt à abandonner les poursuites et payer Blamont pour être tranquille. Remontée contre me Becker, Elisabeth Sen va lui dire deux mots à son cabinet pour la mettre en garde contre ses tentatives de lui voler son compagnon. Elisabeth souligne le comportement immature et ridicule de Claudine qui, plus tard, fait part de son échec à Alix, Nadia Fossier. De son côté Alain parle de toute l'histoire à Clément, Yvon Bach, qui sait bien de quoi Claudine est capable. Mais si est-il d'Elisabeth Squalin est amoureux, comme il lui répète peu après. Malgré leurs sentiments, ça n'empêche pas le couple d'avoir quelques désaccords, notamment à propos de Myriam et de la dose de compassion à montrer envers elle depuis l'accident de Jacques.
Rémi se fait piéger et Noémie repousse Hakim le même jour. Hakim, Aïssam Medem, continue de se rapprocher de Noémie, Lucille criait, qui l'emmène en balade à cheval. Cette promenade crée une certaine intimité entre les deux jeunes qui finissent par s'embrasser et coucher ensemble à l'abri d'une botte de foin. Les amoureux passent le week-end ensemble avant qu'Hakim ne passe voir son frère à la coloc. Il lui raconte qu'il s'est rapproché de Noémie et est entendu par Ludo, Folco Marchi, qui ne manque pas de faire quelques remarques désobligeantes. Bilal, Malik et Lekal El Miliani, est pris entre deux feux et semble deviner que Ludo a toujours des sentiments pour Noémie malgré son histoire avec Jade, Chemsoda. Noémie justement travaille de plus en plus avec Rémi, Samuel Alain habite Bol, au point qu'il ne voit pas le temps passer et qu'elle le dépose en retard auprès de Baptiste, son superviseur. Ce dernier ne manque pas de faire la remarque à Baptiste bien que Noémie souligne que si est-il de sa propre faute s'ils sont en retard. Rémi se met au travail et discute avec Noah, le fils de sa cliente, qui lui propose une partie de jeu vidéo lorsqu'il aura fini. Les deux jeunes hommes se taquinent ensuite et Rémi finit dans les plantes de son patron. Cela l'agace et plus tard, lorsque sa cliente passe dans le jardin, elle voit Rémi en train de donner des coups de pied aux plantes. Elle le réprimande et Rémi quitte le jardin et va s'isoler sur la plage. À la nuit tombée, une silhouette se rend chez Noah et sa mère et incendie des cajots juste devant la porte d'entrée. Quand elle est interrogée par Hakim et Manu, Moïse Santamaria, la mère de Noah explique qu'elle a eu un accrochage avec Rémi mais qu'elle ne pense pas que ce soit lié à l'incendie, et Noah non plus. Le jeune travailleur est tout de même convoqué au commissariat pour être interrogé. L'interrogatoire de Rémi ne donne rien de nouveau et le père du jeune homme tente de le rassurer lorsqu'ils sortent du commissariat, Rémi étant inquiet pour Noah après l'incendie. Quand Hakim appelle Noémie pour lui dire que Rémi est un suspect potentiel, Elnée ne revient pas et conjure son petit ami d'être gentil avec Rémi, atteint de trisomie 21. La situation change lorsque Noah avoue aux policiers qu'il a aussi vu Rémi revenir le soir chez lui, avec deux bidons de désherbant inflammable dans les mains. Pourtant malgré ces éléments, les enquêteurs ont du mal à croire que Rémi aurait pu organiser tout ça et préméditer un incendie à cause d'un simple accrochage avec sa cliente. Ils sont tout de même obligés de le ramener au commissariat, sous les yeux médusés de Noémie qui se fâche avec Hakim lorsque le couple retrouve deux bidons de désherbant cachés sous du foin. Avec cette nouvelle preuve, Rémi est mis en examen mais Manu pense toujours que quelqu'un essaie de le piéger. De son côté Hakim regrette que cette histoire ait provoqué une dispute avec Noémie et décide donc d'aller la voir pour discuter. Mais la jeune femme refuse de l'écouter et ne veut plus le voir pour le moment. Dépité, Hakim continue de travailler sur l'enquête en espérant rapidement prouver que Rémi est innocent pour pouvoir se réconcilier avec Noémie. Et justement, une nouvelle piste est découverte quand Élise apprend aux enquêteurs que Baptiste, le patron de Rémi, s'est rendu sur les lieux de l'incendie. Ils apprennent ensuite que Baptiste a déjà été visé par une plainte pour harcèlement de la part de son ex-femme. Pendant ce temps, Rémi se promène et essaie de se changer les idées, Marilyn est amoureuse et oublie Gary au camping, Gary, Alban Omar, est déçu de voir que sa mère a oublié son anniversaire et pense finalement qu'elle lui a préparé une fête surprise à son appartement et que si est-il la raison pour laquelle elle lui demande de passer prendre son linge. Seulement il n'est rien, et si est-il quand il retourne au camping que Gary découvre qu'Henrik, Julien Massenois, et Inès, Maëva El Haroussi,
lui ont organisé une fête. Bien que très touché par cette attention, Gary explique à sa fille qu'il s'inquiète pour sa grand-mère, qui semblait avoir la tête ailleurs au téléphone et a des problèmes de mémoire. Si est aussi ce que pensent Ludo et Bilal, qui découvrent que Marilyn a même découché le soir de l'anniversaire de son fils. Inquiet, Gary prend les choses en main et décide de suivre Marilyn quand elle refuse une nouvelle fois de voir sa famille. Arrivé à l'appartement, il suit sa mère discrètement et la voit rentrer dans un cabinet de neurologie. Prêt à s'imaginer le pire, Gary a à peine le temps de s'inquiéter qu'il voit sa mère ressortir au bras d'un médecin et l'embrasser. Sous le choc, il retourne au camping, refuse d'en parler à Inès et partage ses craintes avec Henrik. Il ne veut pas qu'un homme profite de la gentillesse de sa mère pour la dépouiller de toutes ses possessions.